Salut à tous, c'est le gratteur fou, direction la machine à snotty Santa, donc on va tenter de faire fructifier ce joli montant. Alors on va attaquer, 50-50 la mise. Est-ce que c'est un jeu qui paye? Bonne question, parce que des fois il paye vraiment que dalle. Autant des fois il est généreux que des fois c'est... Troisième scatter. Alors voyons voir. Là ça sent le big win. Ok, 1200 balles d'entrée. Allez, trois chances pour avoir le troisième. Voilà. Bon, 1000 balles de gagné, mec, des mises à 50. Une vingtaine de spins perdants, ça rebouffe le win. D'ailleurs, le jeu va quand même nous en faire la démonstration. Les petites montantes, on va essayer. Bon, on n'a pas récupéré grand chose. Le spin ultime, celui-là, il coûte cher. On voit 150. Dommage. Alors, quand est-ce qu'il nous reprend les mêmes symboles? Ou éventuellement les trois scatters? Enfin, ça, ces deux trucs arrivent pas très souvent ce genre de jeu. Bon, le Big Win a mis les quelques, ça fait une plombe qu'il est reparti, qui s'est fait rebouffer. De toute façon, avec de telles mises, ça m'aurait étonné que le Win tienne la route longtemps. Et le troisième, allez, c'est parti pour les Free Games. Alors, on va avoir la version qui rack, ça c'est bien sûr pas le temps d'actualité. Alors la Big Miss, 210 sur plusieurs lignes, là ça va racker bien comme il faut. Ça va racker un truc monstrueux même. On va laisser un peu le suspense, là je pense que ça va grimper relativement très très haut. Et très très haut bordel, ça dépasse les 5000. Merci madame aux cheveux multicolores. Alors combien? Parce que là je commence à être curieux. 7500 balles, voilà. Merci la miss. Là c'est beau à voir, 210 sur plusieurs lignes. Beaucoup de bol que les 3 scatters sortent sur une mise à 50. Parce que je crois que je vais prendre une plombe et c'est pas garanti que ça sorte. Alors on aura eu le gros big win, mais c'est le seul truc. Le seul gros win, 7006, quand même, à 20 000. Alors madame.
prochain round de Free Game, espérons que le jeu nous en prendra un autre assez rapidement. Il va falloir que je surveille, que je jette un coup de la balance quand même, parce que j'espère qu'elle ne dégringole pas trop. Alors la miss, 1000 balles, allez 1000 balles pour la miss. On va voir si on a le spin magique, les symboles identiques un peu de partout, ou les big symboles des demoiselles. Ou sinon le jeu qui va payer que dalle, qui va rebouffer une bonne partie de Jolly Win. Numéro 3, ça m'étonnerait. Allez, 3 chances pour le troisième. Bon, pas de panique, des fois c'est 3 chances, pas de chance. Ben non, là il est là. Free game round à 50 balles. On va nous prendre un Monster Win, ça bien sûr, c'est pas de c'est pas tous les coups. Là franchement ça m'étonnerait qu'il reprendre un win à 5000 balles ou plus. Enfin c'est possible, mais bien, ça arrive pas très souvent. Alors celui-là pas mal, je vous remis le multicolore, 525. Ah là, c'est pas la même. 70 balles sur une chier de ligne, ce qui nous fait 7005 bordel. Ok. Et voilà 26, bah ouais c'est des mises à 50 balles, on a dépassé le x100 par rapport à la mise. C'est clair que le scénario comme ça, je vous dis tiens, j'ai bien fait de continuer la partie. En tout cas c'est cool, on va pouvoir le mettre dans le terre un peu au casino espagnol. Allez 8003, bordel, 26000. Bon, je vais arrêter de dire des gros mots. Dès qu'on est en retrait sur un casino, c'est un peu la vengeance personnelle pour tous les joueurs qui perdent. Bon, après, il y a pas mal de joueurs au casino, ils gagnent un peu, ils se disent tiens, je vais essayer de gagner plus, puis au final, ça repère. Donc, c'est vrai que c'est pas un scénario au top. Round 2 de free game, je me disais tiens ça m'étonnerait qu'il rack 5000, ben non il a racké 7000 balles. Allez le troisième, non. Un petit round 3 de free game, c'est sans refus. Sans déconner, double monster win. Bon après le ratio des mises par rapport au gain, 7000 balles avec des mises à 50, c'est l'équivalent de 700 balles avec des mises à 5. De 70 euros avec des mises à 50 centimes, alors là combien? 50 sur plusieurs lignes. 3007 bordel.
Excusez-moi, ça m'échappe. Quand je dis bordel, ça vient du fond du cœur. Alors, on va pousser un peu la partie. Notre vie centrale a l'air chaud aujourd'hui. Par contre, pour ceux qui massent cette vidéo, là c'est juste la partie qui paye, c'est pas le joueur lui-même qui paye, car ce jeu-là, j'ai testé plusieurs fois, puis des fois, il a vraiment payé que dalle de chez que dalle. Donc éventuellement, c'est bien de regarder cette vidéo, ça gagne, mais faut aussi regarder les vidéos où ça perd. Parce que là, quand ça paye rien, c'est vraiment du rien du tout. Hein, c'est... Là, c'est pas tous les jours qu'il y a l'option générosité avec ce jeu. Enfin, je préfère le rappeler, car... C'est bien beau de regarder les parties gagnantes, mais il faut aussi regarder les parties perdantes. Autant là, le jeu il a été généreux, mais des fois il perd rien de chez rien, mais c'est du que dalle de chez que dalle. Allez, trois chances. Trois chances pour avoir le troisième. Ah, la petite effort qui rend 3 de free game, un petit symbole identique sur toutes les lignes. Dommage pour le second wild. Sans deck bordel. Alors je vais redire la même chose que sur le round 2. Je pense pas qu'il va reprendre une à 5000 ou 7000. Donc ça me porte de chance. Je vais redire ce qu'il va re-rack un gros win. Faut pas rêver quand même, hein. C'est pas tous les coups que ça marche. La free game de restante. Ligne 428. Dernière free game. Eh ben non, là c'est pas la même. 538 de win. Un peu plus qu'un fois 10 par rapport à la mise. Ah ouais, tu m'étonnes, le truc il allait pas raquer du 5000, du 7000. Chaque forme de bonus. Oh, sans déconner encore. Deux rounds de free game quasiment d'affilée. Généreux ou pire, c'est pas grand chose pour le moment. Ah, un peu mieux. Une fois 10 par rapport à la mise, 3 free games de restante. 7000 balles, non. Et non, fallait pas rêver. 512. Des deux rounds de free game quasiment d'affilée, ça arrive de temps en temps, il suffit que le générateur symbolatoire il resélectionne les 3 scatters. Il faut
faut se dire que sur la machine, dans le programme du jeu, chaque symbole est représenté par un numéro. Et le tout c'est généré par. Enfin c'est géré par un générateur numéro aléatoire. Donc bien sûr c'est possible que ça envoie 2 ou 3 rangs de free game d'affilée, mais bien sûr c'est quand même rare. En tout cas là on aura le droit des belles séries. Allez, montante, est-ce qu'on va avoir un petit miracle? Oula! Et voilà, 175 balles sur plusieurs lignes à 105, ce qui nous fait bordel, 1400 balles, j'aurais mis un peu plus, mais bon, on va pas se plaindre. Spin ultime. Alors, on est toujours sur le chiffre 27. Ouais. C'est un effort, le numéro 3. Ah, moi je prends le dernier rouleau, mais quand même, 840. Et ouais, ce jeu, je l'avais mis un petit peu de côté car c'était que des parties perdantes. Voilà, la dernière fois que je l'avais testé, il était quand même un petit peu plus généreux, mais comme c'est pas payé que dalle, j'ai pas semblant. Oh, oh, oh. 27 000, ouais, bon, je pense que je vais pas tarder à me barrer du jeu. Voilà, on va terminer sur une montante. Hop. Bon, les terminus, on va rester là. 26,564 quand même. Sacré miracle. Merci le Père Noël, merci les demoiselles, car c'était pas gagné. Là, franchement, niveau générosité, c'était relativement impressionnant.